Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle présentation de la chaîne Future Perspective, la chaîne où on parle de survie. Alors comme ça va faire 2 ans, la chaîne existe, je voulais faire une nouvelle présentation qui soit moins kitsch. Et pour les futurs nouveaux abonnés qui voudraient regarder cette vidéo et qui tomberaient sur d'autres vidéos de ma chaîne, de quoi on va parler, de quoi je parle vraiment au sein de ma chaîne. Parce que le thème de la chaîne, c'est évidemment la survie. Si vous regardez la chaîne en globalité, je parle souvent de réflexion, je prends souvent des choses et je vous donne ma propre réflexion face au monde actuel. Je vous donne quelques trucs, je vous parle un peu de sa d'évacuation, stratégie d'évacuation, je vous parle aussi de permaculture, protéger son balcon, de l'autonomie, tout ce qui concerne réellement la survie. Parce qu'aujourd'hui, l'homme est enfermé dans une boîte et on lui donne un téléphone, c'est des choses qui nous engorment au final. Et sur cette chaîne, j'espère vous donner un message, j'espère vous montrer un petit peu comment réfléchir, comment amener à bien notre réflexion pour nous emmener à devenir survivaliste, à comment se préparer, à faire les réserves de nourriture, les réserves d'eau, les réserves de médicaments, tout un pas mal de choses qui nous emmènent à une certaine autonomie. Bien, l'autonomie totale n'existe pas vraiment, puisqu'on aura toujours besoin de matériaux, d'outils et autres. On sera toujours amené à devoir acheter. Mais le but de la chaîne, parce que c'est aussi quelque chose où je veux aller en autonomie, d'essayer d'avoir de la résilience au maximum et au mieux dans ma vie, et pour avoir juste le nécessaire, parce qu'il est réellement vital en fait. Donc sur cette chaîne, on abordera donc la conscience, le mental, une hygiène de vie, parce que un survivaliste, c'est pas quelqu'un qui croit, on n'est pas fantasmé par l'idée de fin du monde, c'est quelqu'un qui s'y prépare pour anticiper les éventuels problèmes. Et concrètement, c'est vraiment le but de la chaîne, porter un message. Je parlerai parfois de livres. Pour les futurs nouveaux abonnés, j'espère que cette chaîne vous plaira. N'hésitez pas, nouveaux ou anciens abonnés, à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à liker, à partager sur les réseaux sociaux. Je suis aussi sur Twitter, sur Facebook, ainsi internet. Vous avez tout dans la page d'accueil de YouTube de la chaîne. Donc n'hésitez pas à partager, à liker et surtout n'oubliez pas de vous abonner. Ça permet d'avoir une grande communauté. Voilà. Sur ce, bah, j'espère que ça vous a plu, cette nouvelle présentation, et qu'il est clair et concis, ce petit message. Voilà. Je tiens à vous dire merci pour le soutien que m'avait donné ces 2 ans. J'espère qu'on va continuer ensemble. Et puis, je vous le dis souvent et toujours en fin de vidéo, dans la vie, il n'y a jamais de problème, il n'y a aucune solution. Ciao les amis, n'oubliez pas de vous abonner. Ciao.